Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes pour la première fois depuis quelques éditions déjà, de nouveau en live. Donc je vais vous demander d'applaudir celles et ceux qui nous regardent en direct, s'il vous plaît. Ça fait plaisir bien sûr de vous retrouver en présentiel et à la fois en live et en direct, les forums régionaux du savoir. Une soirée sous le signe de la recherche scientifique au service de la sauvegarde de notre patrimoine. Je vais vous demander également de l'applaudir. Victor Edgens, qui est avec nous. Bonsoir à tous. Je vous invite à éteindre vos portables également. Je vous remercie d'avance pour cette petite heure et demie que nous allons passer ensemble. Victor Edgens, chef du département recherche au Centre de recherche et de restauration des musées de France au ministère de la Culture. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre conférencier ce soir. Vous êtes né au Brésil, à Ponta Grossa, dans l'état de Paraná. Vous êtes physicien cristallographe, spécialiste en sciences des matériaux. Votre père vous a donné le goût des sciences. Et vous pouvez nous en dire plus, justement. Pourquoi ? C'est difficile de dire exactement pourquoi j'ai tombé dans la marmite, mais je pense que... Surtout, c'est la question pourquoi, comment, de quelle façon, qu'est-ce que c'est exactement ce que je suis en train de regarder, j'observe quoi, comment on peut prédire, qu'est-ce qui va se passer après. Et enfin, c'est des questions typiquement qui ensuite m'ont aiguillé vers la physique. Entre 9 et 12 ans, vous avez travaillé dans un observatoire astronomique. Tout à fait. J'étais ravi de pouvoir utiliser les télescopes dans mon modeste observatoire et surtout pouvoir aller regarder les astres, la Lune. La première fois qu'on voit Saturne dans un télescope, c'est quelque chose, un moment magique que je pense que certaines personnes dans la salle peut-être ont eu cette chance. Alors, entre 16 et 17 ans, vous êtes tombé sur un portrait dans un journal d'un physicien et vous vous êtes dit, c'est cela que je veux faire. Exactement, il contestait la théorie de relativité d'Einstein. Je me suis dit, tiens, c'est quoi exactement ? Et donc, bien sûr, il avait tout faux, mais grâce à ça, j'ai pu lire sa bibliographie, sa vie. Et c'était une vie tellement passionnante que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà. J'ai toujours voulu comprendre le monde réel et trouver les moyens d'aller plus loin. C'est ce que vous faites d'ailleurs aujourd'hui dans votre métier, mais on en parlera tout à l'heure. Exactement. Ça aussi est influencé un peu par la science-fiction. Qui n'a pas entendu parler des Star Trek et où on va, où personne d'autre a été avant. C'est un peu ça l'idée, je pense, de la science et de la physique plus particulièrement. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est le pont entre la science et l'art. Je suis arrivé dans l'art car je connaissais la science du patrimoine grâce à ma connaissance des cristaux. Plus généralement, pas que la connaissance de cristaux, la connaissance des matériaux. Parce que les matériaux, j'ai travaillé beaucoup, toute ma vie a été faite. Je peux dire que j'étais quelqu'un pas très lettré sur la partie patrimoniale, mais je connaissais très très bien les matériaux. Et aujourd'hui, une grosse partie de ce que je vais vous présenter, que ce qu'on fait au laboratoire, c'est étudier les matériaux sur toutes les coutures. Une grosse différence, c'est néanmoins, moi, je faisais mes propres matériaux. Donc, je faisais croître des cristaux artificiels, et s'ils n'étaient pas bons, je les mettais dans la poubelle et j'ai recommencé jusqu'à ce qu'ils soient parfaits comme je vous le souhaitais. Le problème de matériaux du patrimoine est complètement différent. On a des matériaux qui, par définition, ils ne sont pas très bons, je ne veux pas vous cacher, mais ils racontent une histoire. Et cette histoire, c'est un peu notre patrimoine. C'est un peu tout ce qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, ici et dans les temps présents. Donc il faut comprendre. Coûte qu'écoute. Voilà un peu les deux versants de... La perfection existe pour les cristaux ? Ah, les cristaux sont parfaits. Les cristaux, ils peuvent être parfaits. Des fois, ils ont des petits défauts, mais ils peuvent être parfaits. Maintenant, il est temps pour nous de retrouver vos petits carrés orange et carrés bleus. Et ce soir, j'ai l'habitude de changer parfois. Alors ce soir, orange, c'est vrai.
On est tous d'accord. Et bleu, c'est faux. Vous êtes prêts pour les idées reçues, pour celles et ceux qui nous regardent en direct et en live? Malheureusement, je ne peux pas vous voir, mais vous allez pouvoir peut-être jouer dès maintenant avec Victor Edgens. Voici la première idée reçue. Est-ce que restaurer, c'est seulement se focaliser sur l'œuvre telle qu'elle a été créée et imaginée par l'artiste de l'époque? Vrai ou faux? Est-ce que restaurer, c'est seulement se focaliser sur l'œuvre telle qu'elle a été créée et imaginée par l'artiste de l'époque? Vrai ou faux? Je précise, orange c'est vrai et bleu c'est faux. Il y a visiblement, à la louche, un peu plus de bleu, Victor. Moi je dirais que c'est vrai et c'est faux, tout le monde a raison. Parce que, on est en Normandie, ça tombe bien. En faisant une restauration, finalement, on va essayer de limiter les dégâts du temps. Le temps, malheureusement, c'est inexorable. Il produit des dégâts. Dès qu'on termine une œuvre d'art, dès qu'on termine de construire un matériau, immédiatement, il commence son processus de dégradation. Donc, on va essayer de limiter ces dégâts. On va essayer de stabiliser l'œuvre et essayer d'être au plus fidèle possible par rapport à l'idée originale de l'artiste. Nous poursuivons avec une deuxième idée reçue. Orange, c'est vrai, bleu, c'est faux. Est-ce que l'on peut toujours déterminer la provenance d'une œuvre? Est-ce une science exacte? Finalement, c'est le fond de la question. Est-ce que l'on peut toujours déterminer la provenance d'une œuvre? Vrai ou faux? Orange, vrai, bleu, faux. Et bien, on a plus de bleu, Victor. Oui, pas toujours. Si on a un peu de chance, oui. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des centres comme ces deux RMF. Je vais vous présenter plus en détail dans quelques minutes. Mais nous avons une matériothèque absolument extraordinaire. Et c'est en partie grâce à cette matériothèque, qu'elle soit sur les livres, qu'elle soit en termes d'échantillons et des échantillons des différentes œuvres d'un même artiste, qu'on peut s'y raccrocher. Et dans certains cas, oui, on peut déterminer à quasiment 99,9% des chances. Mais dans la plupart du cas, on peut dire qu'il y a un faisceau d'indices qui semble indiquer que. Mais on ne peut pas aller plus loin. Troisième et dernière idée reçue, avance-t-on encore dans la recherche ou la recherche a-t-elle des limites dans l'art? Vrai ou faux? Orange, vrai, bleu, c'est faux. Et visiblement, on a beaucoup d'orange, beaucoup de vrai. Oui, on avance toujours, mais comme tout, il y a des limites. Il y a des limites qu'on ne peut jamais franchir, ne soit que parce qu'on a besoin d'utiliser des outils qui, des fois, eux-mêmes, quand on interagit, quand on mesure quelque chose, quand on regarde quelque chose, on interagit avec cette chose. Et quand on essaye d'envoyer soit des électrons, soit des protons, soit un outil quelconque, un faisceau qui va permettre, par son interaction avec les matériaux, mais donner des informations sur la composition de ces matériaux, forcément, des fois, je vais interagir tellement fortement avec l'œuvre que je vais la dégrader. Donc, il y a des limites à ne pas franchir. Donc, même si dans l'absolu, je pourrais aller jusqu'au but ultime, des fois, ce n'est pas faisable. Donc, il y a des limites, toujours. Je pense que dans tout ce qu'on fait, il y a des limites. La recherche scientifique au service de la sauvegarde du patrimoine. Je vous demande de l'applaudir une nouvelle fois. Victor Edgens pour cette conférence. Moi, première chose que je vais dire, c'est merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré d'être là et je suis surtout honoré de pouvoir vous présenter un des joyaux de la recherche française, que j'ai un laboratoire complètement dédié aux sciences du patrimoine et à l'analyse et à la sauvegarde de notre patrimoine. C'est le Centre de recherche et restauration du Musée de France, qui est un laboratoire qui se trouve, la partie recherche, on va voir dans quelques minutes, mais c'est vraiment un laboratoire complètement dédié à l'étude des matériaux patrimoniaux, des sujets patrimoniaux. Nous sommes sur trois sites, des sites assez prestigieux, au Louvre,
dans le palais du Louvre, à la cour du Carrousel, également au palais du Louvre, au pavillon des fleurs, où on a ici 2500 m² d'atelier. Ici, c'est le laboratoire. On est plutôt dans les sous-sols. Vous allez voir dans quelques minutes comment ça a été construit. Et juste en face du palais de Versailles, à la petite écurie du roi. Dans les petites écuries du roi et dans le pavillon des fleurs, c'est les ateliers de restauration des œuvres. Et ici, à la cour du Carrousel, c'est le laboratoire des recherches. Donc, les plans de ma présentation, je vais vous parler un peu de l'historique du laboratoire, comment il a été créé et où nous en sommes aujourd'hui, sa raison d'être, son organisation. Et j'ai choisi quelques exemples thématiques traitées par le centre récemment qui nous allons rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce que nous pouvons faire avec le centre. Là, dans cette image, vous voyez quelques exemples de la diversité des sujets qui sont traités par le centre, qu'il soit du mobilier, qu'il soit des livres des absolument prestigieux, des patrimoines industriels et aéronautiques français, et également, bien sûr, la peinture. Donc, l'historique du laboratoire, il a été créé en 1931 par deux Argentins, un qui habitait en Italie. Il y en a un autre qui était beaucoup plus riche, M. Maini, qui habitait à Paris. M. Pérez est venu, c'était quelqu'un passionné par la science, et a convaincu M. Maini de l'intérêt de structurer un laboratoire. D'après la légende, ils ont acheté une de ces voitures Curie qui servait à l'époque de la guerre pour aller sur les fronts et faire des radiographies des blessés. Ils ont commencé à faire des radiographies des œuvres. Et donc, c'est un peu à partir de là qu'est né le laboratoire des recherches, qui va devenir le laboratoire des recherches du Louvre. C'est implanté au musée du Louvre. Donc, vous avez ici les différentes étapes de cette trajectoire. Donc, des personnages célèbres qui ont passé non seulement par les Louvres, mais aussi par les laboratoires. En 1968, il devient le laboratoire des recherches des musées de France. Donc, vous voyez déjà une évolution. On n'est plus un laboratoire au service d'un seul musée, mais on commence à être un service national. De l'autre côté, il y a un historique également des laboratoires de la restauration. Il y avait les ateliers de restauration du musée du Louvre, qui ont, je pense, toujours existé depuis que le Louvre a été construit. Mais il y a eu une évolution. À partir de 1968, la création de services de restauration du musée classé et contrôlé au sein de l'inspection du musée, classé et contrôlé parce qu'il y avait une nécessité d'un contrôle, une nécessité d'une validation au niveau de la restauration également. Donc ensuite, en 1995, la création du service de restauration du musée de France, qui succède à différents services parallèles, c'est un peu une structuration. Et finalement, en 1995 aussi, le laboratoire de recherche du musée de France s'installe dans les nouveaux locaux, dans le cadre des travaux du Grand Louvre, qui ont donné origine aussi à la pyramide. Vous voyez ici un peu le laboratoire que je vous ai montré. C'est l'excavation et la construction du bâtiment à l'intérieur du Louvre. Donc, en 1999, il y a eu la réunion de ces deux laboratoires pour créer les centres de recherche et de restauration du Musée de France, où là, nous avons effectivement à la fois la recherche, la restauration, et on va voir bien d'autres possibilités et bien d'autres services qui peuvent aider les musées de France. Nous sommes structurés en trois départements, deux filières avec un secrétariat général, donc recherche, restauration, conservation préventive. On dit toujours que si la conservation préventive était très efficace,
on n'arrivait pas jusqu'à la restauration. C'est vrai, c'est faux. Comme vous avez vu, on ne peut pas simplifier à l'extrême certaines choses. Mais la recherche est là à la fois pour appuyer toutes ces démarches des restaurations et des conservations préventives, et également pour analyser et créer de la connaissance par rapport aux œuvres. Une partie très importante de tout ça, c'est toutes les restaurations et toutes les analyses qui sont faites dans le cadre du laboratoire et doivent être conservées et doivent pouvoir être consultées dans quelques années, dans quelques décennies ou dans quelques siècles. Donc c'est très important, l'archivage et la documentation. Donc nous avons cette partie d'archivage et documentation. Nous sommes entrés en pleine réflexion par rapport à toutes ces questions du numérique, l'archivage pérenne et toute la pérennisation de ces données, et qui est un problème fondamental dans tous les domaines, je pense, pas que pour nous. Les missions du centre, déjà, c'est l'analyse scientifique et recherche sur les matériaux et sur les techniques utilisées par les artistes. La conservation et la restauration des œuvres, un contrôle scientifique et technique de l'État sur la conservation et sur la restauration des collections. Donc, on est quelque part garant que le travail effectué est au plus haut niveau à la date donnée. Une documentation et archivage des données recueillies et son accès à la suite pour des consultations. Et bien sûr, ce que je suis en train de faire un peu là aujourd'hui, la diffusion des connaissances. Et je pense que je suis très honoré, très content d'être là avec vous ce soir, parce que je pense que montrer que ces services existent, c'est aussi participer à sa pérennisation. Parce que en sachant, en vous, en partant à la maison, en sachant que ces services existent, je suis sûr que vous allez être fiers de ces services, que ces services existent en France, et vous allez vouloir les conserver. Donc, c'est un service à compétence nationale directement lié au ministère de la Culture. Moi, je pensais, quand j'étais physicien et je travaillais avec des chimistes, que je faisais de la pluridisciplinarité quand je travaillais avec les chimistes. Parce que c'est vrai que des fois, on ne pense pas tout à fait pareil. Je ne me rendais pas compte de ce que c'est la pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité, c'est que nous avons ou ces deux RMF, ou nous avons un historien de l'art qui travaille à côté d'un physicien nucléaire qui est spécialisé dans notre accélérateur à Glaé. Donc ça, vous avez toutes les différentes disciplines confondues, géologues, chimistes, sciences des matériaux, cristallographes, conservateurs, restaurateurs, régisseurs, documentalistes, bien sûr, les personnels d'accueil et de surveillance, le secrétariat général qui permet que tout ça puisse tourner dans de bonnes conditions. On a, comme je disais, sur trois sites, plus de 11 000 mètres carrés. Des équipements, des pointes, parce que l'objectif, c'est rendre les meilleurs services au Musée de France et donc essayer de répondre aux questions qui se posent par rapport à leurs problématiques. Et nous avons, comme je disais, même un accélérateur de particules. Donc, on travaille pour qui ? Pour les 1200 musées de France. N'importe quel un de ces musées peut faire appel à nous avec un outil qui s'appelle Oscar. Donc, on fait une demande. On est un musée, on fait une demande. Et normalement, on va tout faire pour accueillir cette demande et l'exécuter dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on est dans l'interdisciplinarité ou on est dans les croisements des compétences ? Bonne question. Pour moi, c'est un endroit où les conservateurs, chercheurs travaillent des pairs avec l'artisan avec la possibilité de consulter un chercheur qui va les aiguiller sur le type de matériaux qui a été utilisé, sur pourquoi un type de restauration ne marche pas, pourquoi, etc. Donc, on a toutes les compétences qui sont réunies dans un seul endroit, avec toutes les sécurités nécessaires et optimales pour les œuvres d'art. Bien sûr, avec les conservateurs, les archivistes, j'en passe. Donc, regardons un peu en détail les différents départements que nous avons.
Premièrement, les départements de recherche, je suis plus à l'aise pour parler de mon département. Quelles sont ses missions? C'est étudier les œuvres qui arrivent sur toutes les cultures et surtout à la demande pour beaucoup de départements de la restauration. Parce que quel est le parcours d'une œuvre qui arrive chez nous? La première étape, c'est les constats. Donc, si elle vient pour une restauration, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est dégradé, quel est l'état de l'œuvre, est-ce que il s'agit d'une peinture, est-ce que le cadre de l'œuvre est correct, est-ce que les bords sont corrects, est-ce que la peinture est en train de se... quel est le phénomène de vieillissement qu'on est en train de constater? Est-ce que c'est un changement de couleur? Est-ce que c'est un écaillage de la peinture qui commence à tomber par terre et qu'il faut faire quelque chose d'urgence? Quel est le niveau d'urgence? Donc on est en quelque sorte des urgentistes de la médecine qui on reçoit nos patients. La première étape, faire le bilan et ensuite aiguiller au bon service. Voilà. Donc pour le faire, au niveau du département recherche, nous avons différents groupes. Comme je disais, l'imagerie, c'est ça qui nous permet de faire un premier constat. Ensuite, la peinture, qui est, je dirais que si j'étais un responsable d'une boîte, 60-65% de mon chiffre d'affaires, c'est la peinture. Donc, c'est très important pour nous. Les objets, c'est également... La peinture, vous allez me dire, c'est des objets. Oui, certes, mais la peinture, comme je vous ai dit, c'est un peu prise à part. Une question très importante quand il s'agit des objets du patrimoine, c'est la datation. Vous retrouvez un objet de quelle époque, vous voulez vérifier l'authenticité d'un objet, de quelle époque, voilà. Donc nous avons trois techniques différentes de datation au sein du département. Nous avons un accélérateur des particules qui nous permet, grâce à l'accélération des protons, d'aller faire des analyses ultimes au niveau de la composition des matériaux. Et ça, c'est très, très important. On verra des exemples plus à la fin de ma présentation. Il y a un nouveau groupe qu'on vient de créer l'année dernière, c'est les groupes organiques. Quand je suis arrivé là, un peu avant la conférence, l'organique, c'est fondamental, mais la chimie organique, c'est extrêmement complexe. Et pire que ça, quand on parle des œuvres qui ont 400, 600, 1000 ans, la partie organique a une grande partie déjà disparu. Mais, n'empêche, les effets que la dégradation de cette partie organique laisse, c'est en grande partie l'origine des dégradations que nous observons aujourd'hui et qui continuent. Donc, comprendre cette partie organique, elle est fondamentale. Donc, quand on parle des recherches sur les matériaux, première chose, il nous faut bien sûr une équipe au top, une équipe entraînée, des compétences, mais il nous faut également des équipements qui ne sont pas donnés, des équipements chers, à la fois à l'achat, mais à l'entretien, et donc les centres équipés des différents types d'équipements qui nous permettent d'aller sonder l'intimité de la matière et essayer d'aller voir contenu des objets que nous regardons, essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe. Département de restauration. Là, je suis beaucoup moins à l'aise, donc j'espère que je ne vais pas vous dire des bêtises, mais la restauration est un des points clés de ces 2RMF, parce qu'on fait appel à nous, déjà pour un constat, savoir qu'est-ce qu'on restaure, qu'est-ce qu'on ne restaure pas. Ensuite, si l'œuvre est trop compliquée, on va avoir un comité scientifique qui va pencher sur l'œuvre, avec les résultats que le département de recherche va modestement donner aux experts. Et à partir de là, on va faire un bilan et on va proposer une restauration. La plupart de nos restaurateurs ne sont pas des restaurateurs d'État, mais sont des restaurateurs libéraux. Donc on va accompagner déjà les cahiers des charges pour l'appel d'offres. Ensuite, on va accompagner également la sélection du meilleur dossier. Et ensuite, on va accompagner également ces restaurateurs libéraux dans leur démarche de restauration.
Voilà un peu les services qu'on doit rendre. Pour, comme je disais, qu'on est sur des œuvres diverses et variées, nous avons 6 filières spécialisées dans le département, la peinture, les sculptures, archéologie et ethnographie, l'art plastique, art décoratif et art contemporain. Et l'art contemporain, c'est un vrai sujet parce que beaucoup des matériaux modernes qu'on dit, je pense que vous avez déjà dû accompagner ça dans les journaux, dans les différents débats télévisés. Il y a certaines œuvres modernes qui ne sont pas pérennes. Et c'est très difficile de les pérenniser. Donc ça, c'est aussi un débat non seulement technique et scientifique, mais aussi un débat ouvert de société. Près de 1000 œuvres par an sont accueillies dans les centres. Heureusement, pas toutes passent beaucoup de temps. Des fois, c'est un dépoussiérage, un petit toilettage, comme on dit. Voilà comment ça se décline, la composition des demandes. Donc, vous voyez que c'est un peu à la chaîne. Donc, on ne peut pas tout faire sur toutes les œuvres, malheureusement. Également, le département a un rôle des outils d'aide à la décision, l'évolution des protocoles des traitements de conservation. Bien sûr, ce qu'on faisait dans les siècles 18 et 19, aujourd'hui, on ne les ferait absolument pas, dans la plupart des cas. Donc, la restauration a évolué, les techniques ont évolué, la recherche en restauration a évolué. Et les études scientifiques également, des conservations et des restaurations. Je vais vous présenter un exemple. Un exemple, par exemple, pour les peintures, on a des peintures aujourd'hui modernes qui permettent de savoir si on a, avec quel pigment on a restauré. Mais l'or, lorsque vous avez un objet feuillé l'or ou qui a de l'or dans sa composition, on va restaurer, certes, mais comme l'or d'aujourd'hui, c'est le même l'or du passé, il n'y a aucune possibilité que vous puissiez, dans quelques années, dans quelques siècles, savoir quand cet objet a été restauré, suivre ces métaux dans la restauration. Donc, il y a eu un projet de recherche qui a été fait au centre du département de restauration qui s'appelle Aliénor. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est de marquer l'or pour qu'on sache que c'est de l'or moderne, ce n'est pas de l'or ancien. Donc, il s'agit bien d'une restauration, il n'est pas de l'or ancien. Donc, on va marquer avec quoi ? Avec des métaux qui n'existaient pas à l'époque en quantité suffisante. Donc, l'indium et le palladium, c'est des matériaux qu'on a constatés, qui sont très bons pour cet objectif. Donc, on a marqué l'or avec ces matériaux. Donc, ça, c'est. Vous faites un spectre des fluorescences des rayons X ou des diffractions, vous voyez immédiatement que ces éléments sont présents. Donc, vous savez immédiatement que c'est de l'or moderne. Donc, la restauration a été faite. Donc, supposons qu'on perd des archives. Il s'agit, dans la restauration, comme je vous ai dit, c'est une science extrêmement complexe. Et on veut suivre chaque étape de la restauration. L'objectif n'est pas refaire l'œuvre de l'artiste. L'objectif, c'est lutter contre les dégâts du temps et essayer que l'œuvre dure le plus longtemps possible. Donc voilà, ça, c'est une très belle étude qui a été réalisée. Déjà, ça commence il y a quelques années, avant le Covid, mais c'est un exemple un des objectifs de ces deux RMF, qui est aussi guider la communauté dans cette démarche scientifique des restaurations. Conservation préventive. Comme je disais, si la conservation préventive de tous les musées était efficace, on allait avoir beaucoup moins de tableaux, beaucoup moins des objets à restaurer. Donc, ces missions, c'est d'apporter l'expertise et conseils aux conservateurs dans le domaine de la conservation préventive, donc dans n'importe quel musée, qu'on constate des dégâts, ou même travailler avec des nouveaux musées qui sont créés pour permettre d'avoir les conditions idéales
pour la conservation et des œuvres. Et quand je dis conditions idéales, n'oublions pas que nous sommes dans un moment très important de notre histoire, nous tous, qu'on parle des changements climatiques. Donc, si on fait un musée fermé où on va mettre 19 degrés au 20 degrés avec 40 à 50% d'humidité, bon, y a un prix à payer. Est-ce que ce prix est compatible avec les objectifs qu'on doit atteindre pour les changements climatiques? Pas forcément. Pire que ça, si on fait un système de climatisation un peu au rabais, où on va mettre des backups pour la climatisation. Si on a un problème avec la climatisation et tout d'un coup il fait 40 degrés dehors à 80% d'humidité, qu'est-ce qui va se passer dans le musée? On va avoir une montée à cause de la panne de la climatisation, une montée très importante des conditions, et du coup, on va avoir une dégradation encore plus importante des œuvres que si on n'avait rien fait. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser aujourd'hui. Donc, ça sert de conseils et d'études pour les Sénats aussi, Assemblée législative, Bibliothèque nationale, Musée, Institut de France, etc. Ça participe beaucoup à l'enseignement, parce qu'il faut qu'on enseigne aussi, il faut qu'on enseigne notre savoir, il faut qu'on enseigne ce qu'on apprend, il faut qu'on divulgue notre savoir. Et on travaille sur des cas concrets. Vous voyez ici des fissures, humidité, un très mauvais mariage avec les estampes, encore des effets d'humidité dans les salles des musées. Je suis sûr que vous avez déjà vu présentiellement ces types de dégâts, moisissures, pire encore, des contaminations biologiques indésirables, nuisances, insectes, surtout changement climatique, encore une fois. Qu'est-ce que le changement climatique fait? C'est que certaines bestioles qu'on trouvait en Méditerranée, aujourd'hui, elles arrivent sur nos côtes, elles arrivent sur nos villes. Donc, est-ce qu'on est préparé pour ça? Est-ce qu'on est préparé par les cauchemars des musées, toutes les petites bestioles qui viennent infecter et détruire ce qu'on a mis des années à conserver? Et ça fait partie aussi de tout ce que le C2RMF peut apporter au niveau des musées. Documentation, archives, nouvelles technologies, ça c'est un autre gros morceau. Donc, comme je disais, toutes les analyses qui sont faites, toutes les restaurations qui sont faites chez nous sont documentées d'une façon précise et versée dans une base de données qui s'appelle EROS, que j'ai le grand plaisir de vous dire que depuis la semaine dernière, elle est partiellement ouverte au public, parce qu'au ministère de la Culture, on est, comme dans tous les autres ministères, et je pense que c'est une question mondiale, sur l'ouverture des données. Donc on ouvre non seulement les résultats, mais on ouvre également les données, jusqu'à un certain point, bien sûr, mais on travaille sur cette ouverture des données. Donc vous pouvez aller consulter la base EROS, si vous ne trouvez pas les liens, ça suffit d'aller sur les sites du C2RMF et vous allez rencontrer ça. Nous participons également, bien sûr, des publications scientifiques de bon niveau. Nous avons une revue propre du centre qui maintenant devient une revue nationale et européenne, CTECNE, où vous trouvez toutes les informations importantes sur... normalement, elle est thématique, donc ça dépend de la thématique que l'éditorial met en œuvre, mais ça peut être les statuts, la restauration, etc. Donc c'est une revue très, très riche et très intéressante. Ce n'est pas parce que c'est nous qu'on le fait, hein. C'est vraiment une revue, ça vaut la peine de la regarder. On a un site internet aussi qu'on essaye de les rendre le plus attractifs possible. Et aussi, on organise des colloques, des interactions avec des masters. Pour dire que notre travail dans les collections patrimoniales, c'est du concret. On rôle dans le conseil scientifique et technique, des exemples de restauration des ateliers, des missions du conseil de conservation préventive, des expertises, des sauvetages, etc. Donc, des projets immobiliers et d'établissements divers et variés un peu sur toute la France.
Donc, maintenant, je voudrais arrêter un peu sur le centre. Peut-être on pourrait prendre une ou deux questions que vous avez sur le centre. Là, je vais passer à quelques exemples des réussites que nous avons dans le centre. Peut-être deux ou trois questions du public, s'il vous plaît. Vous pouvez appuyer sur ouvrir le micro, rapprocher le micro devant votre bouche. Merci pour cette première partie de présentation. En fait, quand vous avez parlé de pluridisciplinarité, je m'attendais quelque part à deux disciplines fondamentales qui sont les mathématiques et l'informatique. Et en particulier, en parlant d'informatique, c'est l'intelligence artificielle qu'on trouve de plus en plus dans quasiment toutes les applications. Et j'étais surpris quand vous n'avez pas abordé au moins l'outil intelligence artificielle. Mais je vous remercie beaucoup de cette question. En fait, j'ai développé ici les activités du centre, mais le centre n'est pas isolé dans son château fort ou Louvre, mais on interagit beaucoup. On a toute une sphère d'interaction avec des laboratoires à la fois universitaires, du CNRS, des laboratoires internationaux. On est engagé dans des projets européens et dans des projets structurants au niveau français. Et un de ces projets structurants s'appelle SPADON. Donc, nous avons, avec les projets européens, la formation, on a l'accès à différents types d'outils. Un de ces outils s'appelle Digilab, qui c'est justement cette question non seulement de la conservation des archives, mais également tout l'intérêt d'intégrer l'intelligence artificielle dans ça. Le problème, c'est que notre budget et nos modestes équipes en termes de nombre, on ne pourrait pas faire face à ça. Et donc, c'est justement pour ça qu'on travaille avec des collègues qui sont beaucoup plus capés que nous dans les mathématiques, etc. Et SPADON, c'est un gros projet européen et qu'un des collègues a eu récemment une ERC justement sur cette question d'intégration d'AI dans les sciences du patrimoine. Et c'est un des gros sujets au niveau national et européen. Je vous remercie de cette question. Une question peut-être. Ici. Merci monsieur. Vous pouvez allumer votre micro. Nous vous écoutons. Je me demandais. Pas trop près du micro, vous allez voir, c'est reculer un petit peu. Ah ok. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Merci. C'est mieux. Je me demandais, est-ce que les demandes de restauration sont en croissance exponentielle ou en croissance tout court ou... Parce qu'en fait, plus le temps passe, plus les choses se dégradent, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Pour les restaurations, on a de la chance d'être un peu limité par les budgets. Mais c'est vrai que les mécénats, ils explosent des fois un peu. Donc, on est toujours submergé par du travail, mais ce n'est pas une croissance exponentielle, c'est une croissance linéaire. Mais je vous remercie aussi de cette question, parce qu'on ne fait pas qui de la restauration. On fait appel très souvent à nous quand il y a des proposés à l'achat. Ça veut dire un musée s'intéresse pour une œuvre, pour enrichir ses collections, d'accord ? Et la question, est-ce un vrai ou un faux ? Avant de dépenser quelques millions de notre argent du contribuable pour acheter une œuvre, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse ? Et donc, de plus en plus, on fait appel à nous. Et comme les commissions de vente ont des dates très fixes, des fois, c'est un cauchemar. Parce qu'on voit un tableau qui arrive cette semaine, on doit tout faire pour faire un constat pour la semaine prochaine. Donc, ça impacte tous les restes, parce qu'on doit tout laisser tomber pour faire ça. Et donc, dans certains domaines, comme par exemple dans la partie mobilier, ça devient un vrai problème, parce qu'on est quasiment 80% de notre temps submergé par ces proposés à l'achat, qui sont importants, je ne dis pas le contraire. Mais malheureusement, on n'est pas capé en termes du personnel pour faire face à ces demandes. Peut-être une dernière question, un peu plus par là. Vous êtes visé. Une dernière question avec un micro. Ça m'a l'air tout bon. Ah, une question. Monsieur. Allez, la dernière. Et vous avez des demandes à l'international ?
Pardon ? Est-ce que vous avez des demandes qui viennent d'autres pays ? D'autres pays, non. Sauf celles qui sont engagées dans des projets européens. Donc, on a un réseau européen pour les sciences du patrimoine. Et on est en train de monter un ERIC, qui est une structure européenne des recherches. Et des fois, ça nous arrive des demandes, pas pour la restauration, mais pour les analyses, beaucoup. Oui, on a des demandes. Mais c'est très rare. Hein, c'est pas, on peut compter sur les doigts d'une main. Par contre, Aglaé, j'ai oublié de dire, Aglaé, notre accélérateur de particules, lui, il est pleinement européen, pleinement ouvert. Donc, on reçoit des demandes partout dans le monde. Il y a un quota ouvert. Et donc, sur ces quotas, n'importe quel pays européen ou international peut candidater. Merci. Donc, passons à la prochaine étape. Merci beaucoup pour ces questions qui permettent, je pense, d'éclairer un peu mes propos avant de passer à la deuxième partie. Là, on va passer sur deux exemples. Comme j'ai expliqué aux collègues qui m'ont invité, je ne peux pas vous donner n'importe quel exemple, parce que soit ça va être des exemples trop anciens, qui ça aura mon intérêt, mais je ne peux pas parler exactement de ce qu'on fait en ce moment. Parce que comme les œuvres ne sont pas à moi, je n'ai pas la priorité. Donc c'est normal que ce soit les musées qui communiquent avant, les propriétaires des œuvres qui communiquent avant, et ensuite, ce que je fais, je vais vous présenter des sujets qui ont été déjà communiqués, largement diffusés dans la presse dans les derniers temps. Les premiers, c'est une chose passionnante, c'est l'origine des Delphes. Qui a déjà entendu parler de l'origine des Delphes ? Voilà, il y a des connaisseurs dans la salle. Donc, l'origine des Delphes, ça a été fait par Sophie Descamps, le musée du Louvre, ce travail, et Benoît Mille du centre. Et si vous voulez, il y a sur le web, il y a un film d'une trentaine de minutes qui est absolument super. Donc, c'est une statue grecque qui a été découverte à Delphes. Dans l'école française d'Athènes, donc, qui avait la primauté de pouvoir faire des fouilles dans le siècle d'avant, je dis siècle, il faut que je croise deux siècles quasiment pour remonter. Et donc, c'est une découverte majeure. Pourquoi c'est une découverte majeure ? À plusieurs titres. Premièrement, parce que c'est une des seules statues de cette époque qui a été découverte entière. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les bronzes qui ont découvert, qui ont été facilement accessibles ? On prenait, on faisait la fondition pour faire des armes, pour faire des outils, pour faire de la vaisselle. Donc, toutes ces statues qui étaient très nombreuses, elles ont complètement disparu. Et c'est là qu'un archéologue tombe en 1896 sur cette statue qui est extraordinaire. À plusieurs titres, comme je disais. Le premier, c'est qu'il y a une datation précise, parce que la plupart des statues, quand on tombe dessus, on ne sait absolument pas quel est son âge, quelle année a été faite. Là, il y a une inscription qui nous permet de dater d'une façon extrêmement précise à cette date-là. C'est écrit, on ne peut pas se tromper. Donc, ça permet d'ouvrir des nouvelles perspectives, non seulement pour cette statue-là, mais pour toutes les autres de la même période. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important. Juste pour information, on ne peut pas dater un métal. C'est très difficile. On peut dater la technique des fabrications d'un métal qu'on sait qui est comprise entre telle date et telle date. Voilà. Mais on ne peut pas dater un métal. Donc c'est un travail qui a été faite grâce à la conjonction de plusieurs choses, le savoir-faire du Louvre dans ce domaine, notre savoir-faire sur la métallurgie, et donc tout ça prend fait. Les musées et l'école d'Athènes, française d'Athènes, nous a demandé de travailler sur ces sujets de telle façon pour éclairer un peu plus par rapport à cette statue gigantesque et très importante de la découverte. Ça date des 500 siècles, 5 avant notre ère. Donc, c'est une découverte vraiment majeure. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? On ne pourrait pas l'amener au C2RMF.
Donc, on a amené, on a des équipements portables. C'est encore une chose que j'ai oublié de vous dire, tellement le centre est riche. Sinon, on passerait ici jusqu'à... On tournerait la nuit. Je parlais de tout ce qu'on fait comme aventure dans ce centre. Mais cette aventure-là, c'était d'amener des équipements capables d'analyser l'origine sur son site en Grèce. Et donc, une des premières choses qu'on souhaitait faire, c'est la radiographie de cette statue. Traverser du métal, c'est pas quelque chose d'assez simple. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire une radiographie d'une statue métallique, mais il faut beaucoup de puissance en termes de rayons X. Et transporter un générateur de rayons X de cette taille dans l'avion, c'était un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait appel à radiographie gamma. Donc, si on veut pouvoir exploiter et comparer les résultats, il a fallu tout un travail des calibration de la radiographie gamma par rapport à ce qu'on savait faire avec les rayons X. Donc ça a été fait. Et ensuite, on a amené d'autres équipements aussi pour l'analyse des différents matériaux, pour savoir de quoi s'était fait cette statue. Et il y avait plusieurs questions qui s'est posées sur cette statue. Premièrement, c'était la partie picturale. On voyait qu'elle était en polychromie. Donc, essayer de comprendre quelle polychromie, quelle était la couleur d'origine de cette statue. Comme je vous rappelle, elle a passé quelques siècles sur Terre, parlons de plus de 2000 ans sur Terre. Donc, sa couleur, là, ce n'est pas la couleur d'origine. Donc, quelle était sa couleur d'origine? D'où elle venait? Où elle a été fabriquée? Avec des métaux? De quelle provenance? Donc, c'est un peu les questions que nous avons essayé de déterminer. Donc, voilà les premières radiographies que nous avons faites de la statue. Ensuite, on a travaillé aussi avec l'Institut de soudure. À la fin, je vous montre toutes les collaborations que nous avons eues pour aboutir à ces projets. Mais à savoir comment est-ce que cette statue a été faite. On savait qu'elle était faite avec la méthode de cire perdue. Mais en fait, ce que la radiographie a montré, c'est qu'elle est faite en partie. Et toute cette partie-là sont soudées. Donc, sont soudées, je vous rappelle, siècle 5, 500 ans avant notre ère. Et donc, avec une technologie étonnante pour l'époque. Donc, voilà, avec l'Institut de soudure, on a déterminé qu'elle était composée de multipièces avec des soudures extrêmement fines et qu'on avait du mal à percevoir à l'œil nu. Voilà quelques exemple de soudure, non seulement sur la tête et sur les membres, mais également sur la tunique. Donc, composition métallique, les pièces principales du groupe d'origine, savoir où ça est, les métaux ils proviennent d'où. En fait, grâce à toutes ces analyses, donc c'est du bronze, hein, c'est un bronze avec du cuivre et de l'étain, et l'analyse de tout ça grâce à l'analyse des éléments traces, et notamment le plomb, ça nous permet de déterminer exactement d'où proviennent les statues. Donc, vous voyez, c'est Sifnos. Donc, ça, c'était une première avancée. Mais le fait de déterminer l'origine du métal ne détermine pas où elle a été faite, où elle a été fondue. Et donc, pour faire ça, on a eu une chance inouïe, c'est qu'à l'intérieur de les statues, nous avons trouvé ce qui servait pour faire le coulage à la cire perdue. On mettait de la terre, grosso modo, pour remplir des trous de les statues, hein, parce que les statues, elle a une paroi de quelques millimètres, et ensuite, on remplit avec la terre. Or, si vous faites une fondition d'un métal, vous allez chercher où cette terre? Vous allez chercher juste en face de la fonderie. Vous n'allez pas vous embêter beaucoup avec la terre. Si le métal est important, on peut aller le chercher en Chine. Par contre, pour la terre, je ne vais pas me casser trop la tête, hein, je prends la terre qui est là. Et donc, grâce à ces analyses, il y a un laboratoire que nous avons, des pétrologies qui couplent
à la fois les analyses en microscopie visible, les pétrographies, avec les images des microscopies électroniques, donc l'analyse ultime par microscopie électronique, nous avons pu déterminer que ça venait du sud de l'Italie. Et on imaginait au départ peut-être la Sicile. Non, c'est le sud de l'Italie. C'est à côté de la botte de l'Italie, vous voyez là. Ici, au sud de l'Italie. Donc maintenant, les équipes vont aller là-bas pour prendre des sédiments, pour essayer de comparer et affiner au plus possible la localisation exacte. Comment on peut déterminer ça? Parce que la Terre, elle est composée des matériaux inorganiques, donc des éléments traces. Et l'analyse de ces éléments traces, ça fait qu'on peut déterminer exactement d'où provient le sol. Et sur la polychromie, et sur les pierres et les métaux également, parce que comme vous avez vu, l'œil de l'origine, il est fait d'une pierre assez particulière. Donc, je vais un peu plus vite. Donc, on a pu déterminer la composition grâce à un équipement portable que nous avons développé au laboratoire, que nous avons amené là-bas. On a pu déterminer... Pardon, excusez-moi, c'est... Voilà. On a pu déterminer exactement la composition de ces pierres et également quels sont les types d'éléments qui étaient utilisés pour la polychromie. Et donc, pour les yeux, nous avons, je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps, mais vous trouvez des super films sur l'origine que vous pouvez consulter sur Internet, absolument remarquable. Et donc, grâce à toute l'analyse des éléments composant ces pierres, on sait d'où elles peuvent venir en termes des... Donc, le plus probable, c'est qu'elles viennent effectivement juste à côté des îles grecques. Et sur la polychromie, finalement, grâce à des analyses et à un savoir-faire couplé avec d'autres laboratoires qui n'ont les C2RMF, bien sûr, comme je vous disais, on va chercher le savoir-faire où il est. On collabore beaucoup avec les laboratoires externes, surtout pour les projets de recherche. Et donc, vous voyez à quoi ressemblait l'origine tel qu'il a été fait à l'époque. Ça, c'est pas une peinture dans l'origine, c'est une reconstruction via intelligence artificielle dans le laboratoire de Bordeaux, qui est formidable dans ces questions-là. Donc, on a donné les éléments que nous avons analysés pour la polychromie, et grâce à ça, ils ont reconstitué la forme de l'origine, qui est, là, c'est une reconstitution un peu cinématographique, à quoi ça ressemblait l'origine quand il a été faite il y a 2500 ans, 2600 ans. Donc voilà, un exemple d'un travail remarquable. Toute l'équipe qui a travaillé, donc je ne veux pas vous lire, hein, mais vous voyez qu'il y a de la compétence, il y a du savoir-faire couplé. La recherche, c'est ça. On ne travaille jamais tout seul. On peut avoir une idée tout seul, mais pour la développer, il faut aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ensuite... 10 minutes pour un dernier sujet. Je ne sais pas si vous avez entendu la tombe princière de Lavaux. Ça, on se rapproche de la France. C'est la même époque. Hein. C'est exactement la même époque, 500 ans avant Christ. Donc, l'INRAP a la décision du ministère de la Culture, quand ils ont découvert Lavaux, a demandé que les C2RMF soient intégrés dans la recherche pour... prendre en compte toutes les questions liées à cette tombe absolument remarquable de l'époque gauloise. Donc, non seulement accompagner les travaux de recherche, mais également ensuite, nous sommes en ce moment même en train de restaurer les trésors de Lavaux au C2RMF. Donc, François Mirambet et Bernard Andouin qui sont les responsables de ce projet. Donc, Lavaux, ça a été, grâce aux fouilles préventives, découvert
dans un champ qu'on allait construire. Si je me rappelle bien, c'était un hôtel. Donc, grâce à ces systèmes de fouilles préventives obligatoires, on a découvert ces joyaux. Donc, en 2014. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemblait, les sites de Lavaux. Une tombe princière, ça veut dire que c'était quelqu'un de très important qui a été enterré avec ses joyeux pour qu'il puisse faire la traversée dans l'au-delà d'une façon raisonnable et convenable pour son niveau. Donc voilà les premiers trouvailles. Il y a les chaudrons et ce qui reste de le squelette de la personne. Donc plusieurs choses ont été découvertes là-dessus, plusieurs objets. Encore une fois, si vous avez la curiosité, regardez surtout les films qui vont vous raconter tout ça en détail, parce que ça concerne énormément des métiers de la restauration, de l'archéologie, que je serais bien incapable de vous raconter tout ça. Mais étant est-il, c'est un joyau majeur avec des objets absolument remarquables qui viennent un peu partout dans l'Europe. Donc vous voyez que les routes des transmissions, les routes du marché déjà, même à cette époque assez éloignée, étaient déjà extrêmement complexes. Donc on a des objets qui viennent des îles grecques, d'autres qui viennent des Étrusques, d'autres qui viennent des autres endroits en Europe. Donc comment on sait tout ça? C'est par les analyses, comme je disais, comme dans les cas précédents, par les analyses élémentaires faites sur les objets et aussi grâce à la matériothèque qu'on peut comparer ces données avec des données existantes, des différentes roches, des différents prélèvements, des différents endroits. Et aussi par l'histoire de l'art, parce qu'on sait qu'un type de fabrication d'un coin, elle est unique. On a d'autres traces d'une certaine population qui faisait ça. Donc voilà. Et le C2RMF rentre là-dedans grâce à l'ensemble de ces techniques, un endroit sécurisé où l'œuvre peut rester en toute sécurité et être analysée et ensuite restaurée en toute sécurité avec un contrôle quasi absolu. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous montrer. Là, c'est l'organisation de travail au sein de ces deux RMF. Vous pouvez voir qu'absolument tous les départements sont concernés par ce travail. C'est environ 45 personnes qui travaillent pour une vingtaine, avec un temps d'implication proche des 20% pour obtenir les résultats et la restauration de cet objet absolument unique. Enfin, ces objets, parce qu'ils concernent un ensemble assez conséquent d'objets. Et donc, on est en plein dedans actuellement. Et dans les mois, mois à venir, vous allez beaucoup entendre parler de ces trésors. Voilà quelques images, parce que c'est étonnant. Comme physicien, on sait que l'or se conserve, il n'y a aucun doute. Mais quand vous avez des objets sortis des fouilles après 2500 ans qui sont comme ça, quasiment sans nettoyage, c'est quand même étonnant. On se dit, c'est pas pour rien que l'or vaut si cher. Il y a une raison derrière. Donc pareil, là c'est un vase qui a été modifié. C'est pas un vase étrusque, c'est des choses qui ont été modifiées. Et encore une fois, je serais incapable de vous dire toute l'histoire de ça. C'est plusieurs métiers qui sont là-dessus pour la compréhension. Pareil, il y avait une adague qui s'est très peu préservée, mais c'est encore des objets magnifiques. Voilà les bras, les détails des torquets qui étaient au cou de la personne qui jaillit là-dedans. Voilà les différents objets qui... Il y a deux bracelets en torquet, une passoire pour l'été, des objets d'une rare précision
pour cette époque, chose absolument remarquable. Et une croix également qui est magnifique. Voilà, merci pour votre attention. Et le C2RMF a cette chance qu'une fois par an, la patrouille de France passe deux fois chez nous pour nous rendre visite. Merci. Applaudissements à Victor Higgins, chef du département recherche au Centre de recherche et de restauration des musées de France au ministère de la Culture. Il est temps pour nous de poser traditionnellement des questions. Et la première est la plus difficile. Non, ils ont déjà posé plusieurs, donc la première, ça va être facile. Allez, monsieur, bonsoir. Merci pour ce... Alors, pas trop près du micro, vous allez voir qu'on va mieux vous entendre. Ce passionnant exposé, à la fois sur les structures et l'organisation de ce département fondamental, et aussi avec les exemples que vous avez cités, que vous nous avez montrés, le côté à la fois... fantastique et passionnant de cette recherche à la fois des matériaux, de l'origine et évidemment de toutes les influences et les relations qu'on peut trouver évidemment à propos de ces objets. Il est actuellement d'actualité de rendre un certain nombre d'objets d'art africains aux Africains. Est-ce que vous faites profiter, vous pouvez faire profiter de votre expérience, de vos moyens à ces musées africains qui, évidemment, manquent souvent de moyens et de personnel compétent pour pouvoir, là aussi, faire de ces œuvres d'art extrêmement importante pour leur pays et leur sphère culturelle. On va essayer de répondre à la question. Voilà. La question est finie. Elle était bien, mais elle était longue. Déjà, pour faire face aux 1200 musées de France, c'est déjà un peu compliqué. Mais là, on peut aider, effectivement. Je dirais qu'il y a plus que faire les analyses, c'est participer à l'entraînement des équipes sur place, pour faire leur travail correctement et pourquoi pas les accueillir un nombre raisonnable avec les œuvres. Tout ça passe par des tractations, vous savez, qui, dès qu'on part à l'étranger, c'est des tractations compliquées, politiques, etc. Mais si on a la demande du ministère de la Culture, bien sûr, on peut le faire. Des fois, on a des demandes qui viennent express pour des raisons politiques, pour aider. Là, par exemple, avec l'Ukraine, on a une demande ministérielle. On doit accueillir un chercheur ukrainien au mois de septembre, pendant un mois, chez nous. Donc, c'est une façon très modeste, mais c'est une façon d'aider également les gens en difficulté. Merci, monsieur. Merci. Aux bronzes d'Ifrée, par exemple, qui sont un peu l'équivalent de l'oruge de Delphes en Afrique. Oui, si on trouvait quelque chose comme ça, ce serait génial. Mais encore une fois, qui nous a sollicité? C'est le musée de Delphes qui nous a sollicité via l'école française d'Athènes. Donc c'est la Grèce qui nous a sollicité pour rentrer dans... Donc vous voyez que la partie... politique internationale est très importante dans ce montage. Merci, merci. Nouvelle question. Alors vous avez un micro qui se balade. Si vous n'avez pas de questions, madame, bonsoir. Bonsoir. Je crois que la tapisserie de Bayeux est en cours de restauration. Est-ce que cela se pratique dans vos services? Nous n'avons pas des filières tissu au jour d'aujourd'hui. C'est plutôt, on a un deuxième laboratoire du ministère de la Culture, que c'est LRMH, qui s'occupe plus des bâtiments. Et eux, ils ont encore une filière partie tapisserie. Ils sont engagés dans les projets. Nous, on les soutient éventuellement. Mais malheureusement, la réduction du nombre de personnes a fait que cette filière-là a disparu chez nous. Merci. Merci, madame. Mais on est concerné par les projets d'une façon un peu plus distante, je dirais. Merci.
Nouvelle question. Monsieur, bonsoir. Merci infiniment pour cet exposé génial, je trouve. Merci. Il doit y avoir des quantités astronomiques de CV qui vous sont envoyés, j'imagine, parce que quand on voit ce que vous faites, ça donne envie quand même. Disons, je suis là depuis un an et demi, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés pour recruter les étudiants. C'est plutôt, il faut essayer de fermer un peu la porte, parce que si on écoute les chercheurs et les demandes, on serait vite envahi. Et peut-être là, on est sauvé par une question. On a un nombre de places extrêmement limité. Il y en a vraiment à la limite, surtout à cette époque où les étudiants des thèses restent un peu plus longtemps et ceux de la prochaine vague arrivent. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar au niveau de la direction pour savoir où on va asseoir chaque personne. Donc c'est très compliqué, effectivement. Mais on ne se plaint pas. Hein. Merci. Nouvelle question. Monsieur, bonsoir. Oui, l'une des difficultés auxquelles vous pouviez être confronté autrefois consistait à devoir prélever les matériaux pour l'analyse. Est-ce que l'évolution des technologies actuelles permet d'éviter ou de limiter beaucoup plus ces prélèvements avec des analyses de surface ? Et qu'en est-il à ce moment-là des analyses profondes ? Oui, tout à fait. On a de plus en plus d'analyses qui permettent d'éviter les prélèvements. L'objectif, c'est éviter au maximum les prélèvements, mais prélèvement zéro, ce n'est pas possible, parce que, comme vous avez bien dit, toutes les techniques qu'on utilise, elles sont proches de la surface. Et si on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur, on est forcément obligé de prélever. Donc, il n'y a pas les choix. Ce qu'on fait, c'est qu'on limite un maximum ces prélèvements et on essaye que ces prélèvements soient des joyaux qui permettent effectivement de faire la différence quand il y a une question précise sur une œuvre. Deuxième point important, c'est tous ces prélèvements, et là, pour la plupart, en tout cas, les analyses des stratigraphies des peintures, elles ne sont absolument pas perdues. Ils sont gardés dans la matériothèque. La matériothèque du C2RMF a environ 3000 spécimens divers et variés. Donc, si on a un doute, on parlait tout à l'heure des faux ou vrais des œuvres d'art, comment savoir sur si une œuvre est vraie, si elle est soupçonnée d'avoir un artiste en question, on peut aller chercher dans la matériothèque du C2RMF des œuvres équivalentes de l'artiste qui ont été faites, et par la méthode de travail, on peut déterminer et nous donner des billes supplémentaires. Donc les prélèvements ne seront jamais, à mon avis, surpassés, mais ils doivent être limités. Merci. Madame ? Oui. Alors, je vais vous demander de rapprocher un peu votre micro. Voilà, pas trop près, mais voilà, vous êtes parfaite. Quels sont les cursus suivis par les gens que vous recrutez ? Et est-ce que vous les formez une fois que vous les avez recrutés ? Je crois que dans ce métier-là, la formation est continue, un processus continuel. Chez nous, c'est ce qui m'a beaucoup surpris, parce que j'étais avant au CNRS, ensuite à l'université. Il y a un type, une personne plus ou moins, master, doctorat, en physique, en chimie, etc. Au C2RMF, je pense qu'on n'a personne qui est semblable à l'autre. Il y a des parcours tellement formidables et atypiques. Il y a des gens qui sont... J'ai des médecins, radiologues, qui ont décidé, par amour à l'art, de faire l'école du Louvre et de devenir radiologue en œuvre d'art. J'ai des physiciens atomiques qui a décidé que c'était important de construire Aglaé. Il a participé à la construction de l'accélérateur et aujourd'hui, bientôt il part à la retraite. C'est un vrai souci. Comment remplacer des gens qui sont pratiquement irremplaçables ? Je pense que c'est en prenant des gens avec une forte motivation, très curieux et qui ont une envie folle de s'investir dans ces domaines et faire la différence. Voilà, un peu. Dans la direction du laboratoire aujourd'hui, on s'est dit que notre plus grand objectif dans les années à venir, c'est pas se tromper sur les recrutements. Merci. Merci, madame. Autre question,
Madame, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous étiez intervenue sur le chantier Notre-Dame, notamment de la restauration des œuvres à l'intérieur de l'édifice, la contamination au plomb dont on a parlé, des poussières, enfin voilà, quelle a été votre action éventuelle ? Merci. Je crois que tout. Moi, je n'étais pas là, mais les collègues sont intervenus très vite. On a un photographe qui s'est beaucoup engagé dans la première heure, disons ça comme ça. Et ensuite, on intervient aujourd'hui au niveau de la restauration des tableaux, bien sûr. Et également des choses très, très intéressantes qui nous arrivent. On a eu une demande de Notre-Dame, là, du consortium, parce que finalement, ils ne savaient plus très bien où les tableaux étaient accrochés, dans quel. Enfin bref, ils voudraient restituer les tableaux tels qu'ils étaient, puisqu'on est dans une restauration majeure, telle qu'était la. Orienté dans la restauration de l'éduc. Donc, 1800 et quelques. Hein. Donc, il y a une maquette qui se trouve à la maison de l'architecture, qui, d'après, était faite d'une façon tellement minutieuse que tous les tableaux ils sont à la bonne place. Donc, comment on fait ? Parce que cette maquette, elle est démontable jusqu'à un certain niveau, mais on est allé avec des instruments, justement, qui ont été utilisés pour l'origine, pour des petites sondes avec des petites caméras pour se faufiler. Ils ont passé une journée d'enfer, mais ils ont pu faire des images de tous les tableaux accrochés dans différentes parois pour pouvoir transmettre à Notre-Dame. Donc je pense que tous les laboratoires travaillant sur les patrimoines sont un peu engagés dans Notre-Dame. Merci pour votre question. Merci, madame. Je précise que pour celles et ceux qui n'ont pas de micro, vous avez le jeune homme là qui peut vous proposer un micro. Autre question ? Non, a priori, monsieur. Oui, bonsoir. 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 Vous nous avez dit être très sollicité dans le domaine de l'authentification d'œuvres. Oui. Est-ce que dans ce domaine, vous avez des surprises ? C'est-à-dire, Oui. Soumet des objets qui sont a priori des œuvres connues, reconnues, attitrées, et qui en fait... Oui, on a des surprises bonnes et mauvaises, comme partout. Hein, mais ces dossiers-là, ils sont traités d'une façon un peu confidentielle. Parce qu'au moment où le musée de France, je rappelle, on ne peut être sollicité que par le musée de France. Donc au moment où un musée nous sollicite pour faire une évaluation d'une œuvre, cette œuvre n'appartient pas encore au musée. Donc elle appartient à un privé ou à une galerie, etc. Donc on ne peut absolument pas communiquer par rapport à ça. Uniquement quand elle rentre dans les patrimoines de l'État, qu'on peut éventuellement poursuivre les analyses, compléter les analyses, etc. Merci. Autre question ? Les dernières ? Je crois que nous avons... Moi, j'en ai une petite quand même. Vous avez parlé, Victor... que l'objectif n'était pas de refaire la totalité de l'œuvre, mais quand elle est extrêmement abîmée, comment faites-vous scientifiquement pour... Je vais donner un exemple qui ne vient pas de chez nous, ça vient de l'Italie. Quand j'étais à Florence, et on m'a montré les différents joyaux de Florence, ils sont nombreux. Il y a une croix du Christ qui a été faite par Cimabue, c'est un primitif 12e siècle, et cette croix a subi la grande inondation des 1980, des années 80 de Florence, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup abîmée. Et donc, dans la phase des restaurations, ça a été décidé qu'ils allaient pas, ils allaient stabiliser l'œuvre, mais ils allaient surtout pas enlever la partie émotive et émotionnelle de cette crue qui a dévasté quasiment la ville. Moi, j'ai trouvé beau. Donc voilà, un peu la réponse. Et c'est le patrimoine. La crue, les accidents
font partie un peu de notre patrimoine. À quel niveau se situe, pour terminer, le niveau français par rapport au monde entier en termes de restauration? Je ne veux pas dire qu'on est parmi les meilleurs du monde. On est un excellent. On n'a pas à pallier par rapport à tout ce qui existe autour du monde. D'autant plus que si on veut compléter tout ce que nous avons déjà in situ au niveau du laboratoire, on a des synchrotrons à côté. La région parisienne, elle est très riche en laboratoire. On a les collègues qu'on peut solliciter. Donc je pense qu'on est très bien armé, non seulement pour la partie technique et technologique, mais pour les savoir-faire aussi. Et pour les œuvres que nous détenons en France, c'est un patrimoine, c'est un pourcentage absolument non négligeable du patrimoine mondial. Et donc de ça, on doit être fier. Et je suis fier de travailler dans ce laboratoire au service de ce patrimoine. Voilà. Merci, applaudissements. Victor Higgins, merci, chef du département recherche au Centre de recherche et de restauration des musées de France, ministère de la Culture. Merci d'avoir suivi. Je vais vous demander juste de patienter et de ne pas vous lever juste avant qu'on quitte celles et ceux qui étaient en live. Vous allez vous êtes en train de peut-être de nous regarder ou vous allez nous regarder en différé. Merci beaucoup. Sachez que nous nous retrouvons le jeudi 29 juin prochain pour le prochain rendez-vous des forums régionaux du savoir. Nous allons accueillir François Jérôme, réutiliser les déchets pour fabriquer nos produits et carburants, mythe ou réalité. Donc rendez-vous le jeudi 29 juin prochain. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci à vous.